Bonsoir, bonjour à tous. Vous êtes sur la chaîne de Renkin Echo pour la suite de cette troisième session de Let's Play sur Deus Ex. Donc là, comme vous le voyez, hein, je suis toujours au même point de fail que tout à l'heure que la vidéo précédente. Hop là, on va essayer cette fois-ci de pas se viander comme une sous-bouse. Alors, je sais que c'est beaucoup demandé à mes gros doigts, mais ce serait quand même pas mal. Alors, hop là, tac. Voilà, allez, c'est parti. Et là. Hop. On va essayer de se caler un peu mieux cette fois-ci, c'est-à-dire de se mettre le long du mur extérieur pour éviter d'être poussé par la caisse quand on tourne. Voilà. Pour l'instant, ça a l'air de passer. Je sais pas ce qu'il y a ici. On est d'accord que là, c'était pas un problème de. J'étais. Les voltage keep out. Ouais. Je ne sais pas exactement comment faire. Hop là. Alors, le fameux coin. Je ne le sens pas. Là, clairement, je ne l'ai pas positionné où il fallait. Il vaut mieux que je fasse comme ça. Voilà. Et là, ensuite, je reprends. Je ne vais pas refaire la même erreur. Voilà. Tout ça pour, si ça se trouve, un fail. Enfin, un fail dans le sens aucun but, quoi. Mais je pense que là, je vois les. Ça passe là. Bon, je pense que je vois le disjoncteur qui est ici. Hop. Allez, Taïo, même pas peur, même pas mal. Hop là, voilà. Ah, j'ai perdu 6 points de vie et pas très méchant. Donc tout ça pourquoi? À quoi tout cela a servi? Ouh, bonjour. Ah, mais vous êtes les fameux. Ah, putain, d'accord. Bon, ben voilà. Donc, ça, c'est fait, c'est dit. Ça servait à rien. Mais ça faisait un beau petit fail. C'est toujours bien. C'est toujours bien de faire des fails. Hop là. Donc, qu'est-ce qu'il y a en haut de cette échelle? Ça, c'est intéressant. Ça m'intéresse beaucoup plus. Hop. Déjà, il y a un code. On va pirater maintenant, ce sera fait. Alors. Bon, là au moins on est sur à peu près une égalité en nombre de nœuds avant d'atteindre l'adversaire. Donc, Taïo, m'en doutez. Voilà. Oups. Oups. Merde, je rentre dans le commissariat là. M'y attendez pas. Oh fuck. Je suis dans le commissariat. Faut que je sorte. Ah, je m'attendais pas à ça. Là là là. Bon, au moins j'ai mon accès. Si jamais j'ai besoin. Pour y aller, easy. Là, pareil, je suppose que ça permet de rentrer. Voilà, entrée du commissariat. Donc, tout ça pour l'instant, on s'en fiche. C'est-à-dire que c'est très utile, mais pour l'instant, j'en ai pas besoin. Moi, ce que je veux, c'est aller à Derelict Row. Et grâce à mes gros biscottos maintenant. Hop là. Voilà. Ça m'étonne, mais dans mes souvenirs, on pouvait aussi accéder au commissariat depuis le sous-sol du. Enfin, depuis les égouts. Je vais retester, je vais revoir. Et je suis.
Éberlué. Hop. Après, ce serait logique que non, hein. Le commissariat, on n'est pas censé. Alors. Donc là. Ah, bah, du coup, il n'y a plus d'électricité. Si, c'était là qu'il y avait l'électricité. Ah si, c'était là. Bon, j'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Alors. Ah. J'étais pas passé par ici tout à l'heure. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Niveau 3. C'est toujours bon à prendre. Donc on sait qu'on va avoir pas mal de possibilités d'accès au... Alors par contre, ouais, niveau 3, mais il est violent. Hein. Là, celui-là, il est violent. Allez. Trop tard. Trop tard, là, il est en train de me leecher. Grave. Bah ouais, forcément. 80% de chance de toute manière de se faire repérer. Déjà que quand tu es à. Quand tu es à genre 60% ou même 40%, tu arrives quand même à te faire choper. Alors bon. Par contre, on a coupé l'électricité dans. C'est ça, ici. Ça fait que maintenant on peut se balader là-dessous. Est-ce que ça sert à quelque chose de se balader là-dessous? Je n'ai pas l'impression. Il n'y a pas d'ouverture à droite à gauche. Il n'y a pas d'ouverture. Bon. Donc ça ne servait à rien. À part à faire un superbe effet. Allez, taillot. Donc. On continue. On va passer par l'entrée qui tout à l'heure m'a été refusée à cause de mes faibles forces. Enfin non, il faudrait peut-être que je fasse la mission du gars là. Je vais peut-être faire ça d'abord. On va récupérer une arbalète. Je suis pas sûr du tout que je vais avoir la place pour prendre une arbalète, accessoirement, mais bon. Boom. Alors, où il faut que j'aille? J'ai l'impression qu'il faut que j'aille par là. Ouais, mais encore. Ouvrons la carte. Ouvrons la carte. Alors, ça c'est quoi ça? Récupérer le paquet d'eau malée. Très bien. Donc ça, on peut aller le récupérer. C'est juste à côté. Ici. Enfin, c'est censé être par ici. Mais après, où exactement? Ah, d'accord, c'est là. Ouais, on n'a pas la même notion d'arbalète en fait. Hein. On n'a pas la même notion d'arbalète du tout. Et évidemment, mon équipement, enfin, je suis full. Bordel de merde, j'aurais pas dû prendre le fusil à pompe, le fusil tranquillisant. Il me fait chier, je l'utilise pas. Je vais aller le vendre.
toute manière, en règle générale, dans ce jeu, moi je fais du cac. Allez, tant pis. On est fou, je vais aller le vendre et puis on n'en parlera plus. Ça doit faire bizarre de voir un gros baraquet qui tout d'un coup se met à ramper. Ok, donc c'est ici qu'il faudrait que j'aille après. Alors, je peux vendre le fusil tranquillisant et de fait les munitions qui vont avec. Donc les fléchettes tranquillisantes, allez, on me dégage ça. Voilà. Ah oui, et je te vends aussi les munitions fusil à pompe là parce que ça ne sert à rien. Voilà. Bon, j'ai tout un pan de libre. On vient de pas me dire après, hein. Les allers-retours. Alors si je me viande en plus de boutons pour entre le sprint et le et l'accroupissement. Voilà. Donc ça c'est fait. Il y a quelle taille quelle tête l'arbalète? Ouais. Et ensuite, alors la vraie question c'est qu'est-ce qu'il faut que je fasse au niveau de cette mission-là? Ah oui, si je me souviens bien, voilà, c'est ça, il faut juste que je le mette KO. C'est ça, faut que je reste discret, faut que j'aille à des relics, mais il faut juste que je le mette. Je fous de KO. Ok. On le connaîtra ce conduit. Mais il est pratique, hein. Il est très très pratique. Hop là. Allez, c'est parti pour le petit manège. Et d'un. Et de deux. Trois. Zut. J'ai loupé l'entrée. Je dois avoir loupé l'entrée. Ah voilà. Comme ça. Voilà. Alors là, il y a beaucoup trop de monde. Je vais aller farfouiller d'abord le reste de l'immeuble, si je peux. On va ouvrir aussi, hein. Les cartons me serviront sans doute à faire diversion. Oula.
Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah mais j'avais déjà piraté cet endroit, je pense. Bon, le problème c'est que là, clairement, les deux sont pas accessibles. Ils se regardent l'un l'autre. La question c'est, est-ce que je peux poser un carton enfin un carton tout pourri comme ça, une boîte en carton? Pour me planquer. Ou est-ce que c'est un petit peu abusé? Oui, là, si je me souviens bien, ici, c'est le truc niveau 5, c'est ça? Et niveau 2, non, c'est pas ça. Apparemment, je peux. Apparemment, je peux. Bon. Qu'est-ce que j'en fais? Mais est-ce que seulement ils sont agressifs? Alors je sais qu'à chaque fois je me demande est-ce qu'ils sont agressifs, j'y vais la bouche en cœur et je me fais défoncer. Mais bon, sait-on jamais? Bonjour. The guy you want to deal with is over there. The guy you don't want to deal with is standing in front of you. D'accord. Ah mais non, t'es un vendeur toi. You want to buy or sell something? It's all on the computer. What do you want? Ah, oh, t'es un vendeur. Je me souvenais plus de ça, qu'il y avait un deuxième vendeur ici. Qu'est-ce que je peux t'acheter? Des fléchettes ou ça? Super. Un silencieux, ça m'intéresse. Je sais pas Okay, that's pourquoi it. ce serait, mais ça m'intéresse. Pourquoi ça? Combiné à quoi? Donc je peux le faire soit au pistolet, soit au mitrailleur, soit au fusil d'assaut. Alors, j'ai envie de dire mitrailleur, vu que c'est celui que j'ai commencé à bien customiser. Voilà. Et puis je trouve le principe rigolo de faire une mitraillette silencieuse. Ok. Ouh, hello. Alors on va peut-être juste fermer. Ah, pardon, 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 pardon. Non. C'est bon. Tu t'énerves pas outre mesure. Et alors c'est quoi? C'est le fait que je rentre qui t'énerve? Ou c'est le fait que je ferme la porte? Ah, c'est le fait que je ferme la porte. Très bien. Donc là, ça, ok. Cet ordi-là, je peux le regarder. Il s'en fiche. Ça, niveau 4, je ne peux pas le pirater. Bon, je peux pas le pirater, mais je compte bien le pirater à un moment donné, hein. Ce n'est que partie remise, mon cher Serat. Donc c'est rigolo. Ok. Bon. Toi. Tout droit, fastoche. Et là, ici. Oh la vache. C'est violent. Non! J'ai oublié de me fortifier moi-même, je suis une tâche. Attendre. Évidemment qu'il est pas content. Bon, j'ai pas eu de bol, hein. J'ai été repéré ou quoi? Au premier, au deuxième? C'est des niveaux
niveau 1, quoi. Alors. On va retenter. On va faire 1-1. Parfait. 2. 3. 3. Waouh, la vache. Ah mais comment il m'a piraté aussi rapidement? Il est fou ce truc. Bon. Eh ben on va pas avoir le choix je pense, hein. On va devoir l'atomiser un petit peu. Oh, fait chier. Ah, tout ça pour un truc de merde derrière en plus, je suis sûr. C'est pas possible. Allez, c'est reparti. Donc, 1, 2, non mais sérieux quoi. Sérieusement là? Allez, vas-y. Putain la vache. Sérieusement quoi? Un niveau 2. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est ça? On fiche. Ça par contre, non. Carnet électronique, ça c'est bien. Confirmation de livraison. Donc j'ai un nouveau code d'accès, mais je ne sais pas pour où. C'est parce qu'ils m'ont énervé. Unir le monde, ouais, bah ouais, ok, très bien. Plop, plop, plop. Et quel niveau, j'ai pas vu. Alors, oula. Oh. Holy fuck. Tester un premier coup déjà comme ça. Voilà. Donc là, on a le spam qui est devenu très très fort. Très bien. Ouais. Donc là, si jamais je récupère ça ici, ça me fait accéder à là le spam. Ensuite, pas d'autres transferts en fait, hein. Là, j'ai que des spams. Ok. Je sais pas si j'ai vraiment bien fait en fait de faire le transfert. Ah, j'étais obligé en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Le problème donc c'est que lui, si jamais il veut m'accéder, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il va ici, il va ici, il va ici. Donc là, techniquement, j'ai une petite avance, mais pas de beaucoup. C'est un piratage niveau 2. Bon, on va tester, hein. Voilà, je me doutais un petit peu de ça. Allez. Allez. Oh là là, c'est la cata. C'est mort. C'est mort, ça fait n'importe quoi. Et mort. Fait chier. Là, fait chier, là, fait chier. Le système verrouillé. Oh là là. Du mauvais là sur le piratage, hein. J'ai du mal à le visualiser celui-ci. Mais même en règle générale, je me souvenais pas que le piratage était aussi compliqué dans ce jeu.
Dans mes souvenirs, c'était un petit peu une balade de santé. C'était tu prenais les trucs et hop, 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 hop. Mais là, en fait, non, 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 non. Il y a vraiment un côté relou. Alors, c'est peut-être parce que sur la précédente partie, j'avais augmenté le piratage à fond très rapidement. Et que là, ben, c'est pas le cas. Mais la vache. Donc là, en fait, si jamais je monte ça, ça sert à rien. Je suis obligé de prendre d'abord le transfert. Ah, là en l'occurrence c'est le spam qui est arrivé en premier. Moi je veux bien, ça me fait faire le grand tour. Et surtout ça spam donc. Là, mais c'est trop lent, c'est trop lent. Je peux rien faire. Je sais pas où je suis. Non, j'y arrive pas. Je sais pas où j'en étais, j'ai pas compris. Bon. Est-ce que je le garderai pas pour plus tard celui-là? Parce que là, clairement, il est hors de mon niveau, même s'il est que niveau 2, c'est déprimant, mais. Fuck off. Là. Ok, donc là, on en arrive ici. C'est là qu'on va s'arrêter pour cette vidéo-là. Hop. Pour cet énorme fail. En fait, je pense que je ne vais m'arrêter que sur des fails aujourd'hui. Car ça va être mon leitmotiv. Allez. Donc, ben, pareil, hein, toujours pareil. Je continue, hein, c'est juste pour pouvoir découper la vidéo plus facilement après. Je vous dis à tout de suite. Et le stream donc continue, il n'y a pas de problème là-dessus. A tout de suite.